Bon. Voilà, bonsoir, bonsoir à tous les fans clubs de Toumba. Je suis avec ici Maître le Baobab. Donc il va essayer de vous envoyer un petit message de soulagement qui prouve que réellement le groupe là existe et il reconnaît que le groupe là existe et le groupe là travaille sous l'autorité de Toumba et à son autorité. Maître, vous avez la parole. Oui, mais vraiment, c'est une grande joie. On dit que quelle que soit la valeur du présent fait à un homme, il n'y a qu'un mot pour témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité. Et ce mot, c'est vraiment merci. Nous avons eu connaissance de votre création, de ce groupe, et nous sommes très satisfaits. Toumba, dans les liens, dans les chaînes, en est très joyeux, il en est très félicité. Et je crois que ça lui aide à passer avec joie les jours de détresse, les jours de malheur, la pénitence. Mais je crois qu'avec votre secours, il s'en sortira. Les chaînes vont être rompues, s'il plaît à Dieu. Le peuple de Guinée, les peuples d'Afrique et du monde, vous-même qui constituez ce groupe, vous êtes avec lui et vous l'avez même fait élire déjà personnalité de l'année. C'est-à-dire que tous ceux qui exercent des professions, à quelque niveau ce soit dans son pays, Toumba est le premier malgré qu'en prison. Ça, c'est une grande chose, mes frères. Et c'est dû à vous, à votre contribution. Merci beaucoup pour vos prières. Il en a d'ailleurs beaucoup besoin, sérieusement besoin. Il a besoin de vos prières. Les autres aides, il a besoin aussi de tout ce que chacun peut faire, parce que c'est pas facile la prison. Il a besoin de vivre matériellement, financièrement, moralement, idéologiquement, spirituellement. On a besoin des prêtres, on a besoin des pasteurs, on a besoin des économistes, on a besoin des chercheurs, on a besoin de tout le monde, des imams, on a besoin de tous les hommes de l'art, des entrepreneurs, on a besoin de l'homme pour que, en attendant la rupture de ces chaînes. Merci beaucoup. Vous avez un grand représentant ici, un très représentant ici. Et je crois, Monsieur Pierre, il est médecin de son état. Toumba aussi est médecin. Et je crois que ce sont des donneurs de vie. Ce sont des donneurs de vie. Vous pouvez lui faire confiance, il n'y a pas de problème. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, je voudrais juste poser une dernière question. Est-ce que réellement il y a des preuves qui prouvent que oui, Moussa Dadis Camara était à Marocana? Non, ça ne pose aucun problème. Okay. Vous savez, c'est une information que j'ai gérée depuis combien d'années? Depuis que Toumba a été arrêté. Parce qu'en lui donnant cette information, un jour il pouvait être fâché et il allait dire, mais il était là-bas. Ou bien il pouvait être content avec les gens. Il dit, ah, laissez, il était là-bas. J'ai gardé cette information 72 heures avant, je lui ai livré l'information, il ne croyait pas. Merci. Et voilà, c'est ce qui envenime, ça a tout changé, le procès a recommencé à zéro à cause de ça. Et je vous remercie. Merci monsieur, merci le Baobab, donc à plus.